Heureux. Excusez-moi pour la coupure, j'ai eu un problème de stockage d'iPhone, donc j'ai dû faire un petit peu du ménage dedans. Et j'en ai profité pour aller prendre un paquet de ciseaux parce que, comme vous l'avez peut-être vu sur la fin de la vidéo, j'arrivais pas à ouvrir les boosters, donc ce sera beaucoup plus simple avec un ciseau. Voilà, et donc on va découvrir, j'ai pas ouvert en attendant le paquet, on va découvrir ensemble ce qu'il contient. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Première carte, du coup, c'est Hulk dans Avenger Endgame. Hulk dans Avenger Endgame, mais ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas la même. Comme vous pouvez le voir, il y en a une, c'est pas la même position, c'est pas la même. C'est-à-dire, suite le même costume, c'est pas le même numéro. Oh, on a une carte qui brille de Captain America du Winter Soldier, la numéro 11. Hop, je vais la mettre un petit peu à l'écart vu qu'elle a l'air un petit peu différente. On a la Black Panther qui est là. Très bien. On a la Funko Art. Funko Art. Ah, c'est marrant. Derrière, il y a marqué à chaque fois le détail. Funko Art qui est bien sympa de Loki. Nous avons la Kraglin des Gardiens de la Galaxie 2. Nous avons la Falcon de Captain America Civil War. Voilà pour le premier paquet. Deuxième paquet. On est un petit peu spoilé à chaque fois de la dernière carte, vu qu'on voit le dos. Et donc, on a le Loki de Thor, le monde des ténèbres. Très bien. Encore le Dark Elf, l'elfe sombre dans Thor, le monde des ténèbres. Oups, là, les cartes sont un petit peu collées. On a cette carte-là qui est la Wong de Avenger America, qui est un petit peu comme la Captain America que vous avez ici, qui brille. Ah, mais d'ailleurs, derrière la Captain America, il y en avait une aussi. Hein. Il y avait la Doctor Strange qui est en doré. Jolie. Je ne sais pas à quoi ça correspond, par contre, les dorés, les brillants, tout ça. Mais donc voilà. Là, on a la Wong, je disais donc 98 d'Avenger Again. On a. Celle-là qui a un petit effet qui est le Winter Soldier de Civil War. Je vais la mettre de côté aussi. Je vais essayer de faire des tas. Je pense que entre les Funko Art, celles qui brillent en argent, celles qui brillent en doré, et là celles qui ont des espèces de petits reflets comme la Winter Soldier, je vais essayer de faire des choses comme ça. On a la Captain Marvel du film Captain Marvel, la numéro 109. On a. Un Funko Short, ça vient en fait d'un. Je pense que ça vient d'une vidéo YouTube. Funko fait souvent des petits films animés sur YouTube et donc je pense que ça vient de là. Et effectivement, du coup, c'est Doctor Strange. Hop, excusez-moi, c'est pas bien cadré. Et donc je la mets de côté ici. On a à nouveau Doctor Strange, du coup, dans sa version du premier film, la numéro 30. Et on a War Machine 95. De Avenger Endgame. Voilà. Deuxième booster ouvert. Le troisième. Vous aurez peut-être remarqué, j'ai baissé la qualité également entre les deux vidéos. Parce que la première, c'était de la 4K. Là, c'est juste de la HD. Donc, c'est peut-être pour ça également que la qualité est peut-être un petit peu moins bonne et ça me prendra moins d'espace de stockage parce qu'encore une fois, je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo. Donc, troisième booster. Première carte, on a la Carol Danvers, donc qui est l'identité humaine de Captain Marvel dans le film Captain Marvel. Très bien. On a la Iron Man ici qui est bien cool, qui est du premier Avengers, j'ai l'impression. Non, de Age of Ultron, pardon. La numéro 49. Les cartes collent encore une fois. On a la Loki, je crois que la Loki, on l'a eu tout à l'heure, la version classique, là c'est la version argentée de Thor, les mondes des ténèbres. Très bien. On a le Thor qui est en mode, comment il s'appelle? Big Lebowski dans Avenger Endgame, numéro 145. Hop. On a une autre Funko Art qui est là, qui est... je sais jamais si c'est Nebula ou Gamora, attendez. Hop. Qui est Gamora, pardon. Nebula, c'est sa sœur, c'est celle qui est en bleu, mais je confonds toujours les deux. Et donc, très jolie, cette Funko Art. On a une Cull Obsidian en doré qui a l'air vraiment jolie.
Après, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, sur la Doctor Strange qui est devant, c'est le personnage qui était doré. Là, c'est le décor, enfin, c'est le contour de la carte qui est doré. Donc, je pense que c'est encore un type différent. Je vais en faire un tas différent ici. Très bien. On a T'Challa qui est l'identité humaine de Black Panther ici dans sa version 79 du film Black Panther. Ok, très bien. Et nous avons le Stonekeeper ici. Stonekeeper d'Avenger Infinity War. Et donc voilà pour le troisième booster. Sachant que pour info, ça fait déjà un joli petit tas de cartes. Vous ne le voyez pas parce que c'est mis hors de la caméra. Peut-être que je vous montrerai l'état tout à l'heure une fois que tout sera déboxé. Mais voilà un petit peu. Et donc, arrivé là, Karl Mordo. Karl Mordo, du coup, c'est le Baron Mordo. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le méchant Doctor Strange. Et donc, c'est le numéro 62. Les cartes sont collées, décidément. Nous avons la Black Widow de Civil War. Qui est là, qui est très jolie. Pour le moment, vous noterez qu'on n'a pas encore eu de double. Hop, oula. Elle se barre un petit peu en couille. Nous avons la Captain America d'Infinity... D'Avenger Infinity War, numéro 106. Nous avons la Funko Short. La Funko Short qui vient encore du même... court-métrage que tout à l'heure. Ce n'est pas la même, ceci dit, comme vous pouvez le voir. Là, il est en train d'invoquer un sort, de faire un sort. Et là, on le voit à côté avec Loki derrière. Mais à mon avis, c'est toujours le même, la même vidéo, le même short. Parce que derrière celle-là, là où il jette son sort, ça parlait du fait... Ça parlait de Loki, donc j'imagine que c'est la même chose. Donc voilà, deuxième Funko Short avec Doctor Strange et Loki. Là, on a encore une dorée, celle de Hulk d'Avenger Endgame. La numéro 65. Nous avons Ant-Man de Civil War, numéro 37. Désolé encore une fois si je cadre pas forcément bien, je fais comme je peux. Nous avons la Captain Marvel en version Endgame numéro 48. Et nous avons la M'Baku en version numéro 60, Black Panther. Et c'est marrant parce que, autant il y a beaucoup de cartes qui me parlent au niveau figurine Funko Pop, autant celle-là, il existe une M'Baku, mais elle n'a pas ce design-là, la figurine M'Baku. Voilà un petit peu pour ce booster. Hop. Et donc vous pouvez voir déjà rien que dans les communes, il y a déjà un joli petit tas. Je vais peut-être vous le montrer, hop, là comme ça. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des tas. Et voilà, hop. Je vais peut-être, par un souci de questions pratiques, m'asseoir, ça sera peut-être beaucoup plus simple pour moi. Donc vous m'excuserez, là vous avez sûrement entendu le bruit de la chaise. Mais ça sera sûrement beaucoup plus simple pour moi, hop. Et donc... Nouveau booster. Je vais également peut-être replacer un petit peu la caméra. Hop. Et donc, arrivé là. Nous avons Maria Rambeau de Captain Marvel numéro 87. Et les cartes sont encore collées. Non, il n'y en avait pas une derrière. J'avais l'impression qu'il y en avait une derrière. Et ben non. Nous avons Star-Lord du premier Gardien de la Galaxie, un de mes meilleurs films, un de mes films préférés du MCU, numéro 93. Nous avons Captain Marvel avec le bouquin, je me demande si c'est pas le Darkhold de quelqu'un justement, numéro 111. Nous avons encore une fois une carte Funko Short ici, qui représente Hulk avec... Natasha Romanoff, alias Black Widow, et Hulk étant Bruce Banner. Donc, je ne sais pas si c'est tiré du même film, mais là, du coup, c'est pas les mêmes personnages que sur les deux autres. Nous avons Caecilius, qui est également, de mémoire, le méchant de Doctor Strange, premier du nom, la carte numéro 53. Nous avons... Oula. Doctor Strange numéro 29, et celle-là, je me demande si je ne l'ai pas déjà ouverte tout à l'heure, la Doctor Strange 29. Il faudrait que je fasse un petit tour d'horizon. Voilà. Et enfin, nous avons la Captain Marvel numéro 15. Voilà un petit peu pour ce booster. Et donc, je crois que c'était le quatrième booster que nous avons ouvert. Cinquième booster.
On va essayer de faire gaffe de ne pas couper les cartes au passage en ouvrant les boosters, ça serait un petit peu dommage. Hop, Casey Lewis, je crois que je viens de vous la présenter à l'instant, donc celle-là sera une double. Oh, on a la toute première carte, la numéro 1, qui est l'agent 13. L'agent 13 qui est Sharon Carter, que l'on aperçoit dans Civil War. Nous avons Talos. Talos, c'est le Skrull, si je ne dis pas de bêtises, qu'on retrouve dans Captain Marvel. Donc, numéro 78. Hop. Yellow Jacket. Yellow Jacket qui est interprété par Cory Stone, mais dont je n'ai plus le nom, mais qu'on revoit, on revoit le personnage et l'acteur dans Ant-Man and the Wasp, et on aurait préféré ne pas le revoir dans ces films. Du coup, Yellow Jacket, c'est le méchant du premier film Ant-Man, et c'est la carte numéro 99. Nous avons la Crossbone, qui est un des méchants de Civil War dans sa version dorée, la numéro 24. Nous avons le Hulkbuster. Le Hulkbuster, qui est une blague, parce que de mémoire, on le voit dans le trailer de Infinity War, mais on ne le voit pas dans le film. Je pense que la scène a été coupée en montage. Donc, ils en ont sorti une pop. Là, ils en font une carte. C'est la numéro 127, comme vous pouvez le voir. Hop. Et je sens que les cartes sont collées derrière. Hop. Nous avons encore une fois une Funko Art de Captain America. Ça, c'est le... C'est le costume quand ils partent remonter le temps dans Avengers Endgame. Donc voilà. Nous avons la M'Baku. La M'Baku. Oh, je crois que c'est une différente de tout à l'heure. Parce que la M'Baku de tout à l'heure avait un design, il me semble, différent. Mais je pense que je vous ferai une petite vidéo une fois tout l'unboxing terminé. Pour vous faire un petit bilan, vous représenter un petit peu les cartes, etc. Là, pour le moment, on fait juste un opening et je referai une vidéo bilan. Donc voilà, et là la Caecilius dont je parlais juste avant, lors du précédent booster, et je pense que celle-là par contre c'est la même, numéro 53. Voilà. Oups. Nouveau booster. Et je vois que sur cette deuxième vidéo, on est déjà à 12 minutes de vidéo. Et je vois qu'on a une Okai ici, Okai que je n'ai pas encore. On a Verse qui est le premier nom, je crois, de Carol Danvers dans Captain Marvel, parce qu'en fait, elle se réveille, de mémoire, elle se réveille amnésique, et elle a juste la fin de son nom, donc Danvers, et il y a écrit, du coup, sur son blouson Verse, et je crois que c'est pour ça qu'elle se fait appeler Verse, voilà, et donc numéro 14. Nous avons Heimdall de Thor le monde des ténèbres, et interprété par Idris Elba, qui est la carte numéro 67. Nous avons la carte Ant-Man issue d'Avenger Endgame, la numéro 4. Celle-là, je ne crois pas l'avoir vue. On a eu une Ant-Man tout à l'heure, mais je crois que c'était la Ant-Man tirée du premier film. Enfin, encore une fois, on verra lors du bilan. Nous avons encore une autre Ant-Man, mais dans sa version Giant-Man. Dans Civil War, c'est notamment quand ils font le combat dans l'aéroport. Et donc, c'est la carte numéro 116, celle-là. Nous avons une carte Funko Art de Hulk. Encore une fois, un petit peu comme la Captain America de tout à l'heure, c'est avec la combinaison quand elle retourne dans le passé dans Avengers Endgame. Et la chose qu'on peut voir, c'est que il est en action sur cette carte, donc ça fait plaisir. Voilà. Nous avons une Black Panther magnifique avec un bord doré, là, qui est... je crois que c'est quand il fait le combat au niveau des... Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est quand il fait le combat au niveau des cascades contre Killmonger. Et donc, comme vous pouvez le voir, le fond est doré. Voilà. Où est-ce que c'est? Désolé, je cherche mon tas. Nous avons Ulysses Klaue, qui est l'un des méchants de Black Panther, qui est interprété par Andy Serkis, que vous pouvez voir ici dans... Du coup, c'est la carte numéro 89. Hop, excusez-moi. Et nous avons pour finir Ant-Man. Ant-Man qui est dans sa version du costume, encore une fois, de quand il remonte dans le temps, dans Avengers Endgame, et qui est la carte numéro 45. Voilà un petit peu. Et comme vous pouvez voir, le paquet grossit à vue d'œil, le paquet de classique.
Encore une fois, je ne sais pas lesquels peuvent être transformés en Redimmel, donc en réelle carte, en réelle figurine Funko. Je vais voir, je vais me renseigner. Je me permets d'ailleurs, pendant que je vous ouvre ce paquet, de passer un petit coucou à toute la communauté de mon Discord qui s'appelle Pop One, et notamment à un membre qui s'appelle Panda du Japon, qui m'a pas mal aiguillé. Il semblait beaucoup connaître le domaine des cartes, donc il m'a pas mal aiguillé, m'a envoyé un site justement pour regarder, m'a expliqué un petit peu comment tout marchait. Donc une fois que cette vidéo sera terminée, je regarderai un petit peu plus, et vous pourrez retrouver cette vidéo d'unboxing à la fois sur YouTube, et je partagerai le lien de cette vidéo sur le Discord, parce que je sais qu'il y a notamment Panda du Japon qui est assez curieux de voir ça. Je sais qu'il y a un autre membre qui s'appelle Dodo, donc Dorine, qui est également très curieux de voir le résultat. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est cool, on est une petite communauté assez bienveillante et tout. On a des règles qui sont assez strictes, un formulaire de présentation qu'il faut qu'il soit respecté à la lettre, mais vous allez voir, une fois que vous êtes dans la communauté, vous ne voudrez plus la quitter, vous verrez, on s'entend super bien. Donc voilà pour cette petite parenthèse, on revient sur l'unboxing des paquets, sachant qu'il nous en reste encore beaucoup en fait. Donc là, Eric Killmonger de Black Panther, numéro 59. Nous avons la Nick Fury avec Goose le petit chat, issu du film Captain Marvel, la carte numéro 66. Pour info, c'est Goose qui crève l'œil de Nick Fury, c'est comme ça qu'il devient borgne, on l'apprend dans le film. Voilà. Nous avons une Ant-Man argentée, issue du premier film Ant-Man, la carte numéro 3. Très bien. Nous avons la Star-Lord. La Star-Lord, on en a une tout à l'heure, mais c'était celle du premier film. Là, c'est une différente, parce qu'il a les deux blasters, les deux flingues dans chaque main. Donc, carte numéro 139. Nous avons la Wanda Maxima. Wanda Maxima, on ne l'a pas encore eue en carte depuis le début. C'est dans sa version Captain America Civil War. Et donc la numéro 71. Hop, on a une carte qui est collée à celle-là. On a Lion Rogue. Lion Rogue, c'est le méchant de Captain Marvel. Donc ça, c'est la carte numéro 16. Voilà un petit peu. Nous avons la Dancing Groot. Donc ça, c'est, si je ne m'abuse, c'est dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 1. Où on voit justement Bébé Groot, qui est dans son pot et qui est en train de danser, de faire un petit peu le con pendant que je ne sais plus si c'est Groot ou Raccoon sont là à faire un petit peu des choses de la vie quotidienne. Et donc c'est la dernière carte du booster, la numéro 27. Voilà un petit peu pour ce booster là. Nouveau booster. Et pour info, pour le Discord de Pop One, soit vous le trouverez dans la description de cette vidéo, soit vous le trouvez, je pense, assez facilement via Google. A priori, c'est plutôt bien référencé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent avoir trouvé le Discord via Google. Prochain booster, première carte, la carte des Gardiens de la Galaxie, Gamora, la fille de Thanos, carte numéro 35. Nous avons la Captain Marvel dans son costume fluorescent, numéro 19, issu de Avenger Endgame. Nous avons une Groot qui est en mode argenté, issu du premier film Les Gardiens de la Galaxie, la numéro 40. Je crois qu'il y a une carte derrière, effectivement. Oui, hop. Nous avons la carte de Thanos. Thanos, quand il est en mode jardinier au début du premier film Avenger Endgame. De mémoire, c'est la scène où il lui coupe le bras, justement, il lui coupe le bras, et je crois qu'il lui coupe même la tête au tout début, notamment Thor et tout. Ça doit être issu de cette scène-là. Voilà. Nous avons une carte Funko Short qui représente Ant-Man avec ce qui semble être un macaron et un mug Avenger. Donc voilà pour cette carte. Nous avons, waouh, une Tony Stark avec un fond doré brillant. Décidément, ce pack-là est plutôt un bon pack, parce qu'on a eu du coup
On a eu celle-là qui était la argentée Groot. Et on a la Tony Stark avec le fond doré brillant. Donc voilà. Nous avons la Cap. Pour info, l'Iron Man avait au même titre que le Capitaine ici le costume encore qui leur permettait de voyager dans le temps dans Avengers Endgame. Et donc celle-là, du coup, bah, Captain America avec ce même costume, toujours issu d'Avengers Endgame, la numéro 13. Et les cartes collent, décidément. Nous avons la Grandmaster interprétée par Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok. C'est la carte numéro 39. Voilà un petit peu. Hop. Désolé, si je passe mon bras, j'essaie de remettre les cartes comme il faut. Parce que ça, encore une fois, ça commence à faire un joli paquet. Et donc, nouveau booster. On n'a toujours pas eu la Captain America que je visais, qui pourrait amener à être une figurine réelle. Peut-être dans les prochains paquets, il nous reste encore bah là, celui qui est dans mes mains, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 paquets à ouvrir. Et la vidéo fait 21 minutes. Donc là, nous avons la requête des Gardiens de la Galaxie, la version avec le costume des Nova Corps, si je ne dis pas une bêtise. C'est la numéro 75. Donc voilà, nous avons le Baron Mordo dans Doctor Strange numéro 62. Celle-là, on l'a déjà eu tout à l'heure, si je ne m'abuse. Et les cartes collent encore. Nous avons la Black Panther en doré numéro 6. Nous avons une carte Funko Short avec crâne rouge. Voilà. Hop, et décidément, les cartes collent toujours. Hop. Il y en a une autre derrière. Nous avons la Captain America dans Endgame avec son costume traditionnel, la numéro 107. Nous avons Doctor Strange, je crois que celle-là, on l'a déjà eu, numéro 29, issu du premier film Doctor Strange. La Captain Marvel, pardon, elle me dit quelque chose aussi, je pense qu'on l'a déjà eu. Ou alors c'est que je me souviens de la figurine. Et donc c'est la numéro 15, issue du premier film Captain Marvel. Et nous avons Crack. Kraglin, et celle-là, je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà ouvert tout à l'heure, et donc c'est la version Gardien de la Galaxie 2, la numéro 56. Nouveau booster. En même temps, on commence à avoir ouvert beaucoup de boosters, donc c'est peut-être un peu plus logique d'avoir des doubles. Black Widow dans sa version Captain America Civil War, la numéro 9. Maria Rambeau, celle-là, on ne l'a pas eue. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Dans sa version Captain America, la numéro 87. Captain Marvel, par contre, pardon, pas Captain America. Là, Star-Lord, dans une version dorée, c'est celle avec les deux. J'allais dire les deux boosters, mais. Si, c'est ça, deux boosters. Enfin. Les deux flingues à plasma, numéro 80, 74, issu du premier film Gardien de la Galaxie. Blaster, pas booster. Désolé, le temps vient de me revenir. Nous avons la Thanos, et la Thanos, je ne sais pas si on voit, si on le voit, elle brille. Donc ça, c'est la version 80, des Gardiens de la Galaxie. Très très classe. Et donc du coup, c'est la deuxième avec celle qu'on avait tout à l'heure de Winter Soldier dans Captain America Civil War, c'est écrit dessus. Et donc comme vous voyez, celle-là, elle brille un petit peu. Et là, Thanos, numéro 80 des Gardiens de la Galaxie, brille aussi un petit peu. Et donc, c'est ma deuxième comme ça. Impeccable. Nous avons un nouveau Funko Short avec, il semblerait que ça soit Ant-Man ici au niveau de mon doigt. Et j'ai un doute, mais c'est quoi ça? C'est le Hulkbuster? C'est un insecte? J'arrive pas trop à voir ce que c'est. Attendez, je perds un petit peu de temps, mais je vais peut-être regarder ce qui se lit derrière. Non, c'est bien le Hulkbuster, j'avais bien raison, du coup, c'est bien ça. Et donc, du coup, on y arrive. Donc, je vous disais, Ant-Man avec le Hulkbuster ici à ce niveau-là, derrière. Nous avons Wasp, alias Janet Van Dyne, interprétée par Evangeline Lilly dans Ant-Man and the Wasp, la version avec des ailes, donc la numéro 149. Nous avons Falcon,
Falcon qu'on a déjà eu, je crois, tout à l'heure, dans sa version Civil War numéro 34. Crossbone, on a une Crossbone tout à l'heure, mais je crois que c'est pas cette version-là, parce que cette version-là, il a l'air d'avoir pris des coups. Enfin, est-ce qu'il a pris des coups? Est-ce que c'est la brûlure? Mais je crois que c'est une version différente que nous avons eue tout à l'heure. Voilà pour celle-là. On ouvre un nouveau booster. Hop. Et donc je vois qu'on a la Ronan sur ce groupe-là. On a Odin. Odin qui est très très classe, qui est le père de Thor, de Loki et d'Ella, qu'on peut voir dans sa version Thor, le monde des ténèbres numéro 91. Hop. Nous avons le Black Panther en version Civil War, la numéro 5, celle-là on ne l'avait pas encore eue. Nous avons la Falcon en doré dans sa version Civil War numéro 34. Nous avons la Ant-Man du film Ant-Man 2, donc Ant-Man et la Guêpe, numéro 101. Hop, il y a une carte derrière. Funko Short, encore une fois. Et du coup, ça, c'est la scène du combat entre Doctor Strange et Loki. Voilà, on était déjà tombé tout à l'heure sur plusieurs cartes qui mettaient en scène Doctor Strange et Loki. Donc ça doit être dans la même veine. Très bien. Nous avons le Collector, alias le collectionneur, qui est dans les Gardiens de la Galaxie. J'allais dire le nom de l'acteur, mais je viens de bouffer son nom. Vous m'excuserez, mais donc la carte numéro 21. Hop. Nous avons Iron Man dans sa version Avengers Endgame numéro 50, avec son costume légendaire et le fait qu'il n'ait pas le masque sur la tête. Nous avons Ronan, qui est Ronan l'accusateur. J'allais dire l'un des sergents de Thanos, mais je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais l'un des méchants du premier film Gardien de la Galaxie, il agit du coup sous les ordres de Thanos. Voilà dans sa version numéro 69. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde, qu'il y a encore beaucoup de monde qui est là. Je sais que ça fait 27 minutes sur cette vidéo. Un petit peu plus si vous avez regardé la première qui devait faire 2 minutes. Donc globalement, ça fait une demi-heure. Mais donc, j'espère qu'il y aura encore du monde. Je ne fais pas ça forcément pour les vues. S'il y a des vues, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, tant pis. Mais je me dis que ça peut être sympa parce qu'effectivement, c'est Panda du Japon qui me disait qu'il n'y avait aucun unboxing des cartes, notamment en français sur YouTube. Et donc, effectivement, ça peut être sympa parce qu'il y a eu un unboxing de ces cartes. Ces cartes, en fait, de base, elles sont sorties l'an dernier à l'une des Comic-Con. Je ne sais plus si c'est la San Diego ou la New York Comic-Con. Et donc, il y a quelques Américains qui ont fait des unboxings. Mais a priori, je serai le premier Français à faire un unboxing de ces cartes. Et donc, nous avons sur ce nouveau booster, excusez-moi, ma langue fourche, nous avons la Valkyrie qu'on peut voir dans le film Thor Ragnarok, mais qui est là dans sa version Avengers Endgame, la numéro 90. Hop, nous avons Carol Danvers dans sa version Captain Marvel, la numéro 20. Nous avons Thor avec sa hache dans le film Avengers Endgame, la numéro 144. Nous avons une carte Funko Short. Il semblerait que ça soit le Hulkbuster, si je ne dis pas de bêtises. Regardons voir ce qu'il y a marqué derrière. C'est bien le Hulkbuster. Et donc, encore la scène avec le Hulkbuster et Ant-Man, qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Nous avons une nouvelle carte dorée, enfin avec un fond doré, qui est celle de Star-Lord. Quand il a son baladeur dans les mains avec le casque, ce qui fait référence du coup à la première scène quand il va voler l'idole. Donc ça, c'est la carte numéro 76. Hop. Nous avons le Loki dans sa version Thor, le monde des ténèbres, la numéro 86. Oh! Oh, je suis surpris. En fait, ça doit pas se voir, mais il y a un petit peu du relief sur cette carte. En fait, quand vous passez les doigts, il y a du relief. Et on est d'accord que si je prends une carte traditionnelle, il n'y a pas de relief. Donc celle-là doit être un petit peu spéciale. Je vais la mettre de côté.
C'est vrai que quand on la regarde un petit peu, en fait, quand on l'a de face, on ne voit pas le relief, mais quand on la regarde sous un autre angle, on voit qu'elle a du relief, cette Loki. Nous avons la Nebula, qui est du coup la sœur de Gamora et la fille de Thanos, donc dans sa version Les Gardiens de la Galaxie, volume 1, la numéro 64. Désolé si je bafouille. Et donc, dans une logique assez normale, nous avons le papa de Nebula et de Gamora, donc Thanos, dans sa version Gardien de la Galaxie, volume 1, la carte numéro 80. Voilà un petit peu pour tout ça. Allez, encore quelques boosters, je crois qu'il nous en reste une dizaine. Désolé si ça fait un peu de bruit, c'est à chaque fois que j'ouvre, que je coupe avec mon ciseau, que je repose le ciseau à côté du setup. Carol Denver, celle-là on l'a pas eu, on a eu la version tout à l'heure avec le livre, enfin ce que j'appelais être un livre, mais qui visiblement est une boîte, parce que là on voit que c'est une lunchbox, et on a l'une des pierres du gant de l'infini dedans, je sais plus quelle est la pierre exactement, mais on voit la petite pierre bleue là qui brille. Donc Carol Danvers avec sa lunchbox dans Captain Marvel, la carte numéro 18. Nous avons Ghost qui est la méchante du deuxième film Ant-Man, Ant-Man et la Guêpe, dans sa numéro 36. Voilà. Nous avons la Valkyrie dans sa version argentée, version Endgame. On l'a eu tout à l'heure celle-là, mais dans une version classique, qui est la numéro 90. Nous avons Janet Van Dyne, qui est la mère de Hope Van Dyne, alias la Guêpe, que l'on peut voir dans le film Ant-Man et la Guêpe, ou Ant-Man and the Wasp, numéro 131. Voilà. Nous avons un autre Funko Short qu'on n'avait pas encore vu avec Thor, qui a l'air très badass avec son marteau qui fait des éclairs et tout. Voilà un petit peu. Nous avons Captain America dans sa version Civil War, la carte numéro 12. Nous avons Corgus Glaive, qui est l'un des... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais... Les enfants de quelque chose, je n'ai plus le nom. Mais qui est grosso modo le groupe de sidekick de Thanos. Ils sont quatre. Je ne sais plus le nom des quatre, mais il y a celui-là, il y a ces stocks et tout, et on peut notamment les voir durant le film, et notamment dans la scène finale qui me fout encore des frissons avec les portails et tout quand je la vois. Donc Corvus Glaive de Infinity War. Ah, mais d'ailleurs, non, ça c'est sa version Infinity War. Moi, la scène dont je vous parle, on la voit dans Avengers Endgame, numéro 22. Et nous avons Minerva qui fait partie d'un. Pareil, j'ai mangé le nom, mais d'un des groupes de soldats dans lequel est Captain Marvel également, dans le premier film Captain Marvel. J'ai plus le nom, mais pareil, c'est un groupe. Je pense que c'est un groupe de soldats dans lequel ils sont 5-6. Et donc, on a Minerva qui est interprétée par Gemma Chan que nous voyons également dans Les Éternels. C'est une des rares actrices qui a plusieurs rôles dans le MCU. Nouveau booster. Hop, et ben je l'ai pas bien ouvert. Je fais gaffe quand même à pas couper la carte. Là c'est bon, il est ouvert. Oh, Lady Sif, un de mes personnages préférés du MCU. On y reviendra au moment où on verra la carte. Ant-Man avec son costume noir dans sa version du premier film Ant-Man, c'est la carte numéro 3. C'est un petit peu bizarre là parce que ouais, on voit juste un bout de peau. Mais voilà. Nous avons Korg dans sa version gamer dans Avengers Endgame, la numéro 51. Nous avons Gardien de la Galaxie, Groot, I am Groot, version numéro 40. Nous avons la Carol Danvers que nous avons vue tout à l'heure dans sa version classique. Là, c'est la version argentée, donc issue du premier film, carte numéro 20. Oh, nous avons Goose le chat. Décidément, c'est un bon booster, ça, parce qu'entre la Carol Danvers qui est là dans sa version argentée, la Goose qui est un personnage que j'adore dans le MCU,
Et la cive dont on s'est spoilé un petit peu tout à l'heure, c'est un booster qui me plaît beaucoup, ça. Donc, Goose le chat. Hop. Nous avons une nouvelle carte, Funko Short. Funko Short, je ne sais pas si je la prends à l'endroit, à l'envers. Ça doit être ça. Et si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le Hulk Buster. Voyons voir. Pym Particle. Ouais, effectivement, c'est encore le court-métrage avec Ant-Man et l'Hulkbuster. Nous avons l'un des autres enfants de Thanos, enfin j'ai plus le nom, mais c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Ebonimo, donc ça c'est le deuxième. Voilà, Avengers Infinity War. Et nous avons du coup Lady Sif. Lady Sif qui est interprétée par Jamie Alexander, qu'on peut voir notamment dans le premier film Thor, mais là en l'occurrence, cette carte-là, c'est sa version Thor, le monde des ténèbres, en numéro 82. Et voilà. Hop, encore quelques petits boosters. On voit qu'on a la vision ici. Hop. On a Ancient One, donc l'ancien, dans le film Doctor Strange, la carte numéro 2. J'avais l'impression qu'il y avait une carte de collée, mais non. Captain America dans sa version Winter Soldier. La carte numéro 11. Là, par contre, il y a une carte de collier. Nous avons Nick Fury. Nick Fury dans sa version Captain Marvel, quand il était encore jeune. C'est la carte numéro 135. Nous avons encore le Funko Short avec Ant-Man et l'Hulkbuster. Nous avons Bucky Barnes. Ça, c'est dans la. Il est dans sa version où il me semble il combat dans Wakanda, dans Avengers Infinity War, la carte numéro 10. Nous avons Hawkeye, ou en français Œil de Faucon, dans sa version Avengers, l'ère d'Ultron, numéro 44. Hop. Nous avons Shuri, la petite sœur de Black Panther, dans sa version Black Panther, numéro 72. Et nous avons Vision dans Avengers, l'ère d'Ultron, numéro 92. Voilà. Et donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nous reste 8 boosters à ouvrir. Et encore une fois, nous n'avons toujours pas la Captain America que je voulais. Wong dans sa version Avengers Endgame, la numéro 98. La Loki dans la version Thor le monde des ténèbres, numéro 57. Et il y a encore une carte qui est collée. Spider-Man, je crois que c'est la première fois qu'on a une Spider-Man dans ces différents boosters. Et donc, c'est une Spider-Man issue de Avengers Infinity War, la numéro 73. Hop. Oh, et décidément, c'est un bon paquet. On a une carte argentée, une carte dorée. Et donc celle-là, c'est la Captain Marvel numéro 15. Nous avons Ghost. Ghost, on l'a déjà eu tout à l'heure. Ça, c'est dans sa version Ant-Man et la Guêpe numéro 115. Nous avons un autre Funko Short avec Captain America dans ce qui semble être un sous-marin avec un oiseau et ils sont en train de faire le signe de salut. Voilà. Nous avons Hulk dans sa version du premier Avenger, la carte numéro 46. On peut remarquer d'ailleurs, c'est marrant, il y a tous les symboles sur le côté. Il y a le symbole de Iron Man, des Avengers, de Captain America également. Et là, je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait un espèce d'écran rouge, je ne sais pas trop ce que ça ressemble. Mais donc Hulk dans sa version Avenger numéro 46. Et nous avons une nouvelle fois Goose qu'on a déjà eu tout à l'heure dans sa version Captain Marvel numéro 38. Voilà. Hop. Hop. Impeccable. Et donc nous avons une Spider-Man. C'est la Spider-Man, de ce que je peux voir, c'est la même que la version qu'on a eue en doré juste avant. En argenté, pardon. Donc dans sa version Civil War, avec le costume que lui fait Tony Stark, numéro 73. Nous avons Eric Killmonger dans une version un petit peu différente, un petit peu plus classe, de Black Panther, numéro 33. Et d'ailleurs,
c'est la même. Là, nous avons la même, mais du coup, dans une version argentée. Hop. Oui. Attendez, 30 secondes. Je me permets juste. Parce que j'ai perdu. Hop. On va continuer comme si de rien n'était. En fait, j'ai un message comme quoi que la batterie est faible. Donc, on va essayer de se dépêcher. Donc, Drax dans sa version Gardien de la Galaxie, volume 2, 112. Ok, ça m'embête quand même parce que j'ai pas de retour, donc excusez-moi.